Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On dirait que j'annonce un titre, enfin genre quelque chose qui va être en mode... Mais c'est un peu ça. Je vous présente aujourd'hui la dernière box de la Prescription Lab. Ça y est, la dernière, celle de mai. Genre ça va être tellement rapide. Celle d'avril, écoutez, j'avais plutôt bien aimé et tout. Alors, ils nous avaient promis quelque chose de dingue pour mai, et je m'étais dit trop bien parce que en plus j'aurais pas à la payer parce que j'ai 30€ de crédit grâce à vos parrainages, enfin les parrainages que j'ai pu faire. Que dalle en fait. Je sais plus, c'est une d'entre vous qui m'a prévenu en me disant: Amélie, regarde, mais il faut commander soi-même la box pour la recevoir ce mois-ci parce qu'elle est dans le shop et on peut pas utiliser les crédits. Donc ce qui est totalement vrai, j'ai pas réussi. Je les ai contactés, toujours aucune réponse, mais je pense qu'ils sont un peu submergés quoi. Je suis dégoûtée. Alors j'ai pas compris sur le coup, franchement je vous le dis honnêtement, j'ai pas compris sur le coup. En fait il y a plein de choix de recevoir la box, je pensais qu'il y avait un bug. Donc en fait vous allez recevoir la box de mai, mais après il fallait choisir un pochon, moi j'ai pas compris. Donc j'ai pris au hasard, tellement que j'ai pas compris, j'ai pris le pochon solaire. Bon, il y a des choses que je vais garder, il y a des choses que je vais pas garder, mais vous pouviez le choisir, en fait vous aviez plusieurs pochons. Alors si vous n'avez pas compris ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est toujours la box de mai, mais avec des pochons différents. Donc je vais vous dire ce qu'il y a. Donc il y a le pochon solaire, moi c'est celui que j'ai pris. Il y a le pochon capillaire, le pochon nourrissant, le pochon routine beauté et le pochon exfoliation et détox. Bon, voilà. Sinon je crois qu'on reçoit tous les mêmes produits pour la prescription lab de mai, c'est juste après le pochon, voilà. Alors sachant, je vais vous le dire honnêtement, que dans chaque pochon je crois que la plupart c'est des produits qu'on avait reçus. Donc quand ils se disaient on vous promet quelque chose d'incroyable en mai, vous savez je vous l'avais dit dans, quand je me maquillais là dans la vidéo je teste les produits du mois d'avril. Je me suis dit, est-ce qu'ils nous promettent un truc de ouf, enfin, et comme ils l'ont promis quoi, ou est-ce que ça va être bon, des trucs un peu vus et revus. Je trouve que c'est un peu des trucs vus et revus, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que soit j'aime pas parce que je connais, voilà, ou soit j'ai et je vais garder, ou il y a des choses que j'ai en double et que je peux pas garder. Donc bon, je trouve pas que ça soit non plus incroyable. Honnêtement, je vous le dis, bon. Quand j'ai regardé tous les pochons après ce que j'avais compris... Bah en fait la plupart des produits on les connaît tous quoi, je regarde un petit peu. Ah, à la limite celle que je connaissais pas trop c'est le pochon nourrissant. Le pochon exfoliation détox il était pas mal, ça va. Enfin bon, pas trop compris. Donc je vais vous montrer direct le pochon solaire, ce qu'il y avait dedans. Donc en fait le pochon solaire ça ressemble à ça. Et on a également un grand accessoire que je connais déjà que je vais direct mettre sur Vinted parce que ça sert à rien d'en avoir deux. Donc dans ce pochon, voilà, pochon solaire. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a. Donc ce premier produit que moi personnellement je ne vais pas garder, c'est de la marque Prescription Lab. Donc vous voyez bien, il est emballé, il sera emballé aussi sur Vinted. C'est le sorbet ensoleillant al progressif au cactus plus perles. Je sais que quand je l'avais reçu, je l'avais mis en vente sur Vinted et c'est vendu très rapidement. Donc apparemment c'est un produit qui plaît pas mal. Moi c'est pas trop, c'est pas que c'est pas trop mon style, mais j'avais pas eu des bons retours forcément là dessus mais apparemment ça plaît, donc c'est peut-être parce que voilà, je sais pas. Je suis pas forcément douée moi en fait, soit j'y arrive, en fait le seul produit avec qui j'y arrivais c'était L'Oréal et les autres j'ai souvent l'impression de me faire avoir, donc bon. Voilà, je vous mets ce produit sur Vinted si jamais ça vous intéresse, parce que moi non. Ensuite, deuxième produit, ah, ils vont me refaire venir les trucs, c'est la crème visage de chez Aptiva que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, je vais la garder parce que je la connais. Crème visage défense anti-tache, anti-âge, algue marine et propolis, SPF 50. Donc ça en plus, ça me plaît, moi c'est plus mon truc. Donc c'est une grande crème, on l'avait reçue en... Bah je sais pas si on l'avait pas reçue en plus petit ou en même format, je m'en rappelle plus. Et celle-ci, je l'aime bien, donc elle est très bien, donc ça, je suis contente. C'est format vente 50 minutes. Bon, j'arrive pas à le refermer, donc tant pis. Hop. Ensuite, dans le pochon, il y avait le soin prolongateur de bronzage format voyage. C'est ça. Les miracles du miel. Ça me dit quelque chose, cette marque. Alors,
Sa formule, extrait d'orange, huile de carotte, je sais pas trop, il faut appliquer ça après, je pense. Préparateur plus accélérateur de bronzage sans filtre. Ah, ben c'est un peu le même délire en fait. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, sur ce produit pour me dire si ce que vous en pensez, si ça va pas trop me mettre genre orangette ou quoi, parce que j'ai souvent l'habitude de me faire avoir. Dites-moi si vous connaissez celui-ci, j'aimerais bien avoir vos retours. Et. Ensuite, ce produit-là que je pense pas garder non plus parce que je l'ai déjà. En fait, je l'ai déjà dans. Je l'ai pas encore utilisé donc je pense pas que ça sert à grand-chose d'en avoir 10 000. Donc, ce produit-là que je vais pas garder non plus, qui est le l'ice cream à la caféine de Terre de Mars que j'ai, voilà, déjà, 15 ml format vente. Donc, ça, c'est pas que j'ai d'avis ou pas d'avis dessus, c'est que malheureusement, je l'ai pas. J'ai même pas encore eu le temps de tester l'autre que j'avais. Et ça, je vais le garder parce que je le connais très bien et voilà, ça reste un petit format. C'est l'échantillon Aqua Bomb Sleeping, format voyage. Et le dernier truc que je vais également mettre sur Vinted parce que je l'ai déjà, c'est le masque Terra Pearl, format vente, celui-ci. Voilà. Donc, honnêtement, regardez, tous les produits, soit je les connais déjà, soit je les ai déjà, ou soit ils ne m'intéressent plus. Super! Je sais pas, j'ai hâte de voir vos vidéos là et de savoir ce que vous en pensez en commentaire parce que bon. Bon après je me suis fait avoir hein, parce que moi j'ai pas compris donc j'ai commandé au hasard. Donc voilà, je suis aussi un peu douille hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer par la box de mai quand même parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Et du coup c'était mis dans un joli pochon comme ça. Alors pour la box de mai, voilà à quoi elle ressemble. Merci pour tout. Les rires, les larmes, les agendas fous, les box, les gloss, les produits partout, les parfums, les fleurs, les. Je sais pas trop. J'arrive pas trop à comprendre leur truc, labo. Les tests, les recherches, les réveils un peu tôt, les rencontres, les shoots, les bouclages à gogo, votre soutien, vos coups de gueule, vos mots doux surtout, votre beauté, votre confiance par-dessus tout, la team Prescription Lab. Cette box est magnifique, magnifique. Ouais, elle est magnifique, hein. Cette box est magnifique, je vais la garder, je la trouve très touchante. Enfin, je sais pas, genre, tu sais, ça a un petit côté. Voilà, tu vois, nostalgie et tout. Ça fait très lettre postale et tout. Et les cœurs, moi, voilà, j'aime trop. Hein, Amelove, quoi, je suis pas Amelove pour rien. Donc voilà. Ça, c'est voilà. PS, prenez soin de vous, beauté. Juste ici. Édition numéro 76. Bref, je survalide, donc ça, je vais garder. Alors, à l'intérieur, du coup, on retrouve toujours le prescripteur, le dernier. Tadam! Le dernier, et ouais. On a un petit code promo. Je sais pas comment je vais pouvoir utiliser mes 30 euros. Dites-moi, est-ce que les 30 euros que j'ai en crédit, je peux les utiliser sur le shop? N'hésitez pas à me dire parce que je sais pas comment je peux faire. Ok. Alors, merci pour tout. Pour clôturer la box Prescription Lab en beauté, la team a imaginé un coffret comme une lettre d'amour remplie de produits câlins. Et waouh, on vous montre. Allez, on est parti. On va pas durer plus longtemps hein, parce qu'on attend que ça. Et le premier produit, je suis très contente parce que je ne le connaissais pas, donc de la marque Prescription Lab, vous savez, comme tous les mois, c'est le vinaigre de beauté, Prescription Lab Beauty. Un vinaigre de beauté composé de 5 ingrédients seulement, dont un vinaigre de cidre de pomme bretonne et de l'eau de pomme upcyclée. Résultat, un soin durable 100% d'origine naturelle qui réveille et purifie la peau pour un teint unifié et un grain affiné. Et moi j'adore, vous savez, les pchipchites comme ça, au réveil, purifie. Pour tous les types de peau, donc en fait, appliquez le matin et ou le soir avant vos soins sur une peau propre, directement sur le visage ou à l'aide d'un coton. J'aime trop ce genre de produit. Donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous connaissez déjà ce produit, si vous avez déjà testé. Mais ouais, là je vous avoue, ça fait plaisir. Ça fait même très très plaisir. Donc ça, c'est un bon point. Deuxième bon point, et je vous ai toujours pas fait la vidéo retour produit favori du mois d'avril, mais ce produit-là en fera partie. Et c'est vraiment. Alors là, je l'ai reçu en collab et c'est vraiment un coup de cœur, c'est de la marque Uriage. Et c'est le sérum booster HA Uriage, donc acide hyaluronique. Ce sérum est le plus concentré en acide hyaluronique. Pur et naturel du marché de l'hydratation, pharmacie et parapharmacie. Résultat, un effet peau de pêche sous les doigts. Les filles, j'ai ça, j'ai la crème d'eau
et le masque d'eau avec. C'est vraiment des produits pépites, je vous le dis. Donc du coup, comme j'en avais déjà un autre, j'ai donné à ma mère, celui-là c'est le mien du coup, et ma mère a le même. Donc c'est temps, il faut faire attention, vous avez le bouchon et ensuite la pipette qui est toujours livrée avec. C'est une perle ce produit, je vous le dis, je voulais vous le faire en retour produit d'avril favori. Il faut absolument que je vous le fasse, je sais pas quand je vais trouver le temps, mais je vais le trouver. Donc ça sera pendant le mois de mai, vous verrez cette vidéo, mais ce produit en fait totalement partie. C'est un sérum qui est génial, vous verrez l'odeur, pure délice. C'est hyper agréable à mettre autant le matin que le soir. Bref, ce produit c'est un superbe... Quand j'ai vu qu'il était dans la box de prescription lab, je me suis dit oh my god, je suis si contente. Parce que bah, ma mère elle hésitait du coup à se le racheter et tout. J'ai dit non mais écoute, comme je vais en avoir un autre, tu prends. Et moi je... Enfin peu importe, hein, elle pouvait prendre ou moi je pouvais récupérer l'ancien, je m'en fiche, hein, c'est pas le souci parce qu'il a été utilisé. Mais vous savez le sérum c'est pas... Genre ça vous allez le finir mais dans longtemps, hein, vous avez le temps. Donc voilà, bref. Pépite, ça je suis tellement contente, c'est un super bon produit. Donc trop bien. Ensuite, troisième produit, et vous allez voir, je suis encore trop excitée. C'est le soin douche vivifiant extra pur, la Compagnie de Provence. Donc la Compagnie de Provence, je commence à connaître parce que c'est un calendrier de l'avant que j'avais pris en réduction au mois de janvier, février. Donc, formulé sans sulfate, ce soin douche est composé de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Que j'en prenne mon inspiration. Il nettoie la peau tout en douceur et se transforme en une mousse riche, facile à rincer. Donc c'est un super grand format. Soin douche vivifiant extra pur aux agrumes pétillants. Je sais pas si on a tous reçu le même. Vous me direz. Moi j'ai reçu celui-ci, mais logiquement je pense qu'on doit tous recevoir le même. J'ai envie de sentir. Ah mais c'est fermé. Ouais mais de toute façon je pense que je m'en servirai dans pas longtemps. Allez hop. Alors attendez. Hop. Oh. Moi j'aime bien l'odeur des agrumes donc ça me va. Bon, je suis trop contente. Super grand format, donc ça aussi c'est une pépite pour moi. Et après ils nous disent des surprises en plus, mais je pense qu'ils se foutent un peu de nous. Ah, ah non, non, pardon. Enfin après je vais vous dire quand même qu'ils se foutent un petit peu de nous, mais ça reste mon avis. Ouais, c'est moi qui me fais avoir, je sais pas. Bref, donc le quatrième produit, pardon, c'est le shampoing sec de chez Authentic Beauty Concept. Je me demande si j'ai pas déjà ce produit. Je vais vérifier. Si j'ai déjà, je pense que je le mettrai aussi sur Vinted parce que bon, des shampoings secs, je m'en sers pas tout le temps. Honnêtement, j'en ai déjà quelques-uns et tout. Donc bon, voilà, et je sais pas. Donc je vais regarder si je l'ai déjà. Et si je l'ai déjà, je vous le mettrai sur Vinted aussi. Donc sans silicone, il rafraîchit la coiffure formulée avec de l'amidon de riz naturel biodégradable. Il permet de créer une texture modelable tout en apportant une protection thermique jusqu'à 230 degrés. J'ai la même marque, mais je crois que c'est la une laque fixatrice. Mais il faut que je regarde, je sais plus. Mais sinon, en soi, bon, ça va, je suis contente, c'est bien. C'est un produit que je me servirai, hein, pas le souci sur ça. Donc voilà. Très bien. Et ensuite, alors des surprises en plus, c'est parce que c'est votre dernière box presque. Prescription lab, j'arrive pas à parler. Hashtag émotion. Découvrez. Ah voilà, un pochon de surprise, d'accord. En plus, rempli de produits waouh pour continuer de prendre soin de vous. Merci pour tout. Ok, non, je comprenais pas, je disais que j'ai pas d'autres produits. Alors, le seul truc que j'ai, c'est ça. J'ai une petite eau de toilette de chez Authentic Beauty Concept. Je vais la tester. Mais bon, les pochons surprises, je sais pas, j'ai hâte d'avoir vos retours, mais je crois que c'est parce que moi, j'ai pas bien regardé. Ça se trouve, j'aurais peut-être pas dû prendre forcément le solaire. Mais bon, si tu regardes la plupart, on avait déjà les produits, quoi. Je pense qu'ils ont voulu se débarrasser de plein de choses. Bon, je vais pas y arriver. Bon, je vais pas y arriver à l'ouvrir. Je vais pas me faire du mal, ça sert à rien. Mais écoutez, voilà pour ça. Dites-moi ce que je peux faire des 30 crédits. 30 euros de crédit que j'ai. Je sais pas du tout. Sinon, en soi, bah écoutez, cette dernière box, hein, les produits, je vais tous m'en servir plus ou moins. À la limite, celui que je vais moins me servir, ce sera peut-être le shampoing sec. Mais dans tous les cas, je pense que pour l'été, quand je vais avoir plus la flemme en vacances et tout, ça me servira. Sinon, c'est des produits. Je suis trop contente. Même si certains, je les connaissais comme Muria, j'aime trop. Voilà pour ça, l'édito. Bon, il y a des photos super sympas. Je regarde juste, voilà, Uriage. Bah, il vous parle en profondeur hein, de Uriage.
Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, son hydratation, 1,5% d'acide hyaluronique pur et naturel qui hydrate, repulpe et lisse, des extraits de fleurs, de l'eau thermale, uriage, enfin bon bref, il est trop bien. Voilà, charme, nanania, l'escargot, le renard, le papillon. Je regarde juste hein, pour bien tout vous dire et ne rien oublier. Ça parle de fesses, je vous le dis, ça parle de fesses. Mais c'est pas grave, c'est bien. Ah, tu seras une mère féministe, c'est un livre. Oh, c'est pas mal. Nos désirs sont des ordres. Ouais. Pas mal, pas mal, ok. La naturopathie dans la cuisine, ouais, très bien. Bon, y a pas de plus. Oui, parce que je crois que ça continue. Y a des choses qui continuent un petit peu. Je crois qu'il y a des choses genre qui continuent chez les prescriptions lab et tout, donc voilà. Et puis après, bah écoutez, coucou beauté. 5 euros offerts avec le code pour prescription lab. Blissime et prescription lab. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Envie de continuer votre abonnement beauté, l'aventure prescription sous-termine. La marque Pilab Beauty continue, voilà. Elle a choisi la box Blissime pour vous proposer un pochon de 200 full size Pilab Beauty offert avec le code Pilab Beauty pour tout nouvel abonnement à la box Blissime de mai et juin de l'été. En surprise en juillet, la box Blissime contiendra une nouveauté Pilab Beauty. Ah, trop bien! Trop top. Bon, ok. 10 euros offerts pour la FDJ. Ok, bon ben voilà. Enfin bref. Coucou beauté. Ok, bon ben voilà. Voilà la dernière prescription là, ça y est. Enfin, la box. C'était fini. Bon, n'hésitez pas, j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Moi, je suis voilà, plutôt contente. Juste, bon, les pochons, oui, c'est bien, voilà, allez. Parce que pour qu'ils se débarrassent un peu de stock, je pense. Mais bon, je sais pas. J'ai trouvé que c'était mal foutu, qu'on pouvait pas utiliser leur crédit et tout. Je trouve ça dommage. Après, je vais peut-être avoir une réponse où vous allez peut-être pouvoir m'indiquer. Bref, voilà pour ça. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est de plus en plus. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!